Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un petit clin d'œil juste avant de commencer pour vous remercier parce qu'à l'heure où je parle, on est arrivé à 1000 abonnés. Donc je voulais vous remercier de vous être abonné et de me faire confiance. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois astuces. La première, c'est pour libérer de l'espace sur les téléphones parce que bien souvent, quand ils vieillissent, ils buguent dans tous les sens et on n'arrive pas à libérer de l'espace. Et là, je vais vous montrer comment libérer de l'espace sur un Android sans supprimer de photos, ni de vidéos, ni d'applications. Ça va être la première astuce. La deuxième, je vais vous montrer où se trouve un petit jeu caché dans tous les Samsung. Et personne n'y pense, mais bon, c'est pas des gros jeux, mais c'est un jeu qui est sympa à voir. Et en troisième astuce, je vais vous montrer où se trouve un bouton caché dans les Samsung. Il faut aller un peu loin dans les paramètres, mais une fois qu'on l'a trouvé, il est pratique et ça nous fait un bon petit raccourci. Allez, on commence avec la première astuce. Donc, pour libérer de l'espace sur votre téléphone, vous allez aller dans Téléphone et vous allez taper étoile dièse 9900 et vous terminez par dièse. Là, ça va ouvrir un menu et vous allez appuyer sur ce menu-là, Delete. Vous ne trompez pas, c'est assez compliqué là, donc c'est bien celui-là. Et regardez, quand on appuie dessus, et là, ça vous a libéré de l'espace. Deuxième astuce, je vais vous montrer où il y a, enfin, peut-être que vous savez déjà, mais il y a un petit jeu qui est caché dans les Android. Donc pour ça, il faut aller dans Paramètres, version du téléphone, à propos du téléphone, pardon, Informations sur le logiciel. Et là, vous allez appuyer plusieurs fois là où il y a marqué version Android. Voilà, et ça va ouvrir un jeu. Donc moi, ça ouvre ça. Je vous cache pas que j'ai encore pas trouvé la solution. Je sais qu'il faut accélérer les étoiles. Je pense que c'est des étoiles. Mais j'ai pas trouvé comment ça marchait. Ah ouais, ça fait des trucs comme ça. Donc chaque version d'Android a son petit jeu. Donc à vous de trouver le vôtre et de trouver surtout la solution. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé la solution de votre jeu dans les commentaires, avec la version qui correspond, comme ça on saura comment faire. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, sans oublier de partager à des potes qui auraient des Android et qui ne connaîtraient pas ces petites astuces. Donc pour le bouton caché, tu vas aller dans Paramètres, Accessibilité, tu vas dans Interaction et Dextérité. Voilà. Et là, tu as Assistant Menu. Tu vas activer ce petit bouton-là. Tu autorises. Et ça va te faire un petit bouton qui est là. Regarde, il est là. Quand tu cliques dessus, ça va t'ouvrir plusieurs fonctions. Avant ça, tu vas dans les réglages. Tu peux régler la transparence du bouton. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà, il est là. Et on peut régler pas mal de petites fonctions. Quand tu cliques sur ce bouton-là, tu peux revoir les dernières applications que tu as eues. Tu peux trouver la page d'accueil, le volume du téléphone. Tu peux faire une capture d'écran et tu glisses comme ça sur le côté et tu as encore d'autres fonctions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Like la vidéo et je te dis à la prochaine.